Bonjour, Gilles Bougeon. Mon restaurant, c'est l'Auberge du Puy, qui est ouvert depuis 25 ans, à Fonjoncouze, dans les Corbières, dans le département de l'Aude, dans le sud de la France. Et nous avons réussi à décrocher 3 étoiles Michelin et 19,5 au Gomillot. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un suprême de palombe, et comme c'est l'automne, avec une tartelette de racines aux béatilles, accompagnée d'une poire et des noix. Donc toutes les racines qui vont nous servir à faire la tartelette pour la palombe, tous ces légumes sont pesés à temps pour temps et on va les mettre dans l'extracteur au Wismer pour récupérer seulement le jus. Très simple d'utilisation, juste à mettre les légumes dans le plat des racines. On va donc retrouver le jus d'un côté et des copeaux de légumes de l'autre. Voilà, et les copeaux de légumes, on va aussi les récupérer parce qu'on va en faire des chips qui vont servir à aller dans le crunchy pour la palombe. Si ça bloque, position marche arrière. Donc si jamais on a la matière qui est bloquée dedans, petite marche arrière et puis c'est fini. Donc les légumes, voilà, sont petits copeaux. On va les mettre juste à sécher. Et le jus, pour ce qui nous intéresse maintenant, très fort, très corsé, légèrement doucereux en même temps. On va le faire réduire, on va monter au beurre et nous faire une petite pâte qu'on mettra sur la fin. Donc le jus qu'on vient de passer à l'extracteur Wismer, on va le passer juste à la passette pour enlever les petits grains qu'il peut y avoir. Voilà, ça c'est un concentré de racines, parce que vraiment, là il y a du goût. Donc maintenant on va le faire réduire et on le montrera au beurre à la fin. Et on y incorporera pour la couleur et un peu de douceur du jus de betterave. Donc les carcasses de palombe qu'on a concassées, on les fait revenir avec un peu de beurre et un peu d'huile. Voilà, là elles sont pincées, elles ont déjà pris ce côté légèrement caramélisé. Alors je vais les retirer sans retirer la graisse. Et à nouveau dans la casserole, on va faire revenir quelques oignons. Voilà, les oignons sont bien sués, sans trop de coloration. On remet les carcasses de palombe. Voilà, ça c'est le vin dans lequel on a poché les poires. Donc les poires ont été pochées juste avec un peu de vin. Un tout petit peu de sucre, cannelle et badiane, tout simplement. On va déglacer avec ça pour décoller les sucres. Donc le jus des racines qui a réduit, il ne reste plus que ça déjà, dans lequel on va incorporer un peu de jus de betterave qu'on a aussi passé à l'extracteur. Voilà, le jus est réduit, on va le monter légèrement au beurre, on le débarrasse, on réserve de côté pour tout à l'heure. Voilà, le vin est réduit. Jusqu'à glace, on retrouve la matière grasse qui est au fond. Voilà, et là maintenant, on va mouiller au fond blanc. Fond blanc de volaille traditionnel, tout simplement. Et là, on va laisser cuire gentiment. Le jus est cuit, on va le passer en foulant bien. Maintenant, on va le faire réduire, et le dégraisser et le faire réduire. Alors, juste le coffre de palombe, on a désossé les cuisses. Les cuisses, on s'en sert pour autre chose. Là, on va servir que du suprême. Donc, on cuit les suprêmes sur le coffre. Ça aussi, c'est important. C'est de venir mettre la matière grasse bien mousseuse, le beurre bien mousseux, à l'intérieur, comme ça. Alors maintenant, on va laisser reposer un peu. Et on garde le beurre de cuisson pour le terminer. Donc, les poires que nous avons pochées au vin, la poire va nous servir de socle. On les garde fermes. On va la passer à la poêle, juste avec un peu de beurre, au dernier moment, pour la réchauffer. Donc ça, c'est pour faire le crunchy qu'on va mettre sur la filet de palombe au dernier moment. Peau de poulet et de palombe, pain grillé et riz soufflé. La peau de poulet, on la concasse légèrement. La peau de volaille. Des fines tranches de pain grillé qu'on a taillées finement et cuit au four. Donc on a mis les 3 éléments temps pour temps. Voilà donc cette espèce de chapelure qui va nous servir de crunchy qu'on va mettre sur le filet de palombe au moment de l'envoi. Voilà, on va le réserver. Voilà, donc la poire qu'on a pochée au vin, maintenant on va juste la passer au beurre pour la réchauffer et légèrement la caraméliser. Voilà, et juste poêler, juste là, et on la tient, on va la tenir au chaud sous la salamandre.
Maintenant, on va lever notre suprême de palombe. Du fait qu'on l'a colorée sous la chair, elle n'est pas complètement crue ici. Et par contre, on l'a bien rosée à cœur. Donc, c'est dans ces tartelettes qu'on va dresser nos petits légumes. Au fond de la tartelette, on met une petite farce de béatille, c'est-à-dire foie et cœur, sauté à l'échalote, puis haché et à peine crémé. Par-dessus, quelques noix fraîches épluchées, une goutte d'huile de noix et on va gratiner la salamandre. Alors, la sauce est réduite et terminée. Notre petit jus de racine à la betterave. On va prendre un peu d'huile de noix, une pointe d'échalote ciselée. Alors, toutes nos racines. Donc ça, on fait bien chauffer. Là, on y met une pointe de ce jus de racine monté au beurre. La sauce de la palombe qu'on a fait tout à l'heure. Et là, maintenant, on y met des morceaux de main de Bouddha qu'on a juste blanchi. La main de Bouddha nous amène une très légère pointe d'acidité, mais surtout un parfum d'agrumes qui va donner beaucoup de longueur. Voilà, sur la tartelette encore chaude, on vient mettre nos légumes bien glacés en alternant les formes et les couleurs. Voilà, je vais la mettre au chaud à nouveau, sous la salamandre. Le temps de dressage, on remet la poire aussi. Pendant ce temps, on réchauffe doucement le suprême de palombe. Je la termine avec un peu de sauce de palombe dans la poêle. Et ce glaçage-là, on vient le remettre dessus. Ce glaçage est surtout là pour nous faire coller le crunchy que nous allons mettre maintenant. Les copeaux de légumes qui nous restaient de l'extracteur Whismer, on les a fait dessécher. On va s'en servir, qu'on va mettre un peu dans le crunchy. Alors voilà le crunchy. Un peu de ces chiffres de légumes qui amènent un tout petit poil de couleur. Notre petit jus, on maintient au chaud. La sauce palombe au chaud. Et là maintenant, on va les dresser. La poire qu'on a passée au beurre, juste égouttée. Au cœur de la poire, on y met pâte de noix qu'on fait nous, et assaisonnée. Dessus, notre suprême de palombe. Juste à côté, la tartelette. Un petit rappel cru. Avec juste une râpée de betterave jaune et de betterave shioga. Sur le tour de l'assiette, c'est donc les chiffres de légumes séchés qu'on a pulvérisés. Notre jus de racine qu'on vient mettre ici. Une noix fraîche et la sauce palombe. Terminé. Je la tourne vers vous, mesdames et messieurs. Ce serait plus joli de ce côté. Palombe de chasse façon crunchy sur une poire au vin et noix. Une tartelette de racine au béatille. We'll be right back.